가 비스만 넘쳐 너의 움직임 우리 잘 맞는 것 같아 Girl kinda same Like we got chemistry same energy I can see us make history Bing bing 돌아가듯이 You are goddess like Venus I'll be orbiting and I promise I ain't tryna play games with ya girl Honest, you are not a side character Every day after day I try to go out my way Cause I wanna secure you Oh, I wanna, wanna, wanna See you every night after night Can we forget about time? Cause I wanna adore you Oh, I wanna, wanna, wanna Make you mine This is pitch perfect, really got me thinking you and I could be something Pressed all the right buttons and now I'm done searching Damn, 다른 여자랑 비교한데 no competition Sweet like gelato 되고 싶어 Valentino Rockin' on a high, no gotta love it, it's soprano 너 만나고 나서 절대 놓지 않아 바빠도 다른 여잔 없어 너 Cause you're the one and only girl Promise, I ain't tryna play games with ya girl Honest, you are not a side character Every day after day, I try to go out my way Cause I wanna secure you Oh, I wanna, wanna, wanna See you every night after night Can we forget about time? Cause I wanna adore you Oh, I wanna, wanna, wanna Make you mine
Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le dimanche 21 avril 2024, il est 20h50. Dimanche 21 avril, on n'aime pas. Hein. Dimanche 21 avril, c'est des trucs qui sonnent pas bien ensemble. Ce soir, nous allons jouer à Mario Kart pendant près de 2 heures. Et vous allez pouvoir jouer dans le chat à PronoKart. Si vous ne connaissez pas PronoKart, et bien point d'exclamation PronoKart, tout simplement. Le jeu est très simple. Moi, je joue à Mario Kart avec les viewers. Si jamais vous voulez venir, d'ailleurs, il y aura peut-être de la place. Hein. Je pense qu'il y aura de la... Au début, il y a tout le temps de la place. Donc, il y a de la place pour join la room dans Mario Kart 8 Deluxe. Et des gens qui ne jouent pas à Mario Kart, ils peuvent jouer à PronoKart dans le chat. En faisant tout simplement des pronostics, à chaque fois un pronostic sur la place que je vais faire. Félicitations. Sur la place que je vais faire à la fin de chaque course. Et donc, plus vous gagnez des pronos, plus vous gagnez des points. Et plus vous faites des pronos risqués, et plus vous gagnez des points. C'est un jeu absolument, totalement gratuit, où il n'y a absolument rien à payer, et il n'y a absolument rien à gagner non plus. Il n'y a même pas d'histoire de points de chaîne. Les points de chaîne n'ont rien à voir là-dedans, c'est des points exclusif à PronoKart, et vous pourrez retrouver le classement de la session du jour sur pronokart.com pour voir à quelle place vous êtes dans le classement. Je vais lancer Mario Kart 8 Deluxe déjà. Ok. Tac. Merci infiniment à Petite Loutre pour ton 19e mois. Bonsoir Mister Jidet, un PronoKart, quel plaisir, comme toujours. Comme c'est live d'ailleurs, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour ton soutien, Petite Loutre. Et merci bonjour au monde pour l'année d'abonnement. Merci infiniment pour ton année d'abonnement. Bonjour monde, merci beaucoup. Je vais créer la room, je vous affiche le code dans un petit instant. Prono, une room qui pue le tryhard. Non mais à force j'arrive plus à savoir si c'est moi qui pue tout court ou si c'est la room qui pue le tryhard. Je me fais tellement laver sur tous les derniers lives là. Tac, je vais vous partager le code. Hop là, je vais vous le marquer dans le chat également. Hop là. Merci à Irine pour l'épinglage. Les bénéfices de ce stream serviront à financer le prochain voyage de Laurent Wauquiez au Japon, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, ce bon Lolo. Non mais là on a dit l'arc Laurent Wauquiez est terminé. Voilà, je ne parlerai plus jamais de Laurent Wauquiez. Voilà, il faut arrêter au bout d'un moment. J'ai pas arrêté de parler de Laurent Wauquiez en stream. En fait, j'ai regardé aussi même dans les vidéos que j'ai sorties, dans la dizaine des dernières vidéos que j'ai sorties. T'as quand même une vidéo où le thème principal de la vidéo c'est Laurent Wauquiez. Une vidéo, pas la dernière analyse de pub mais celle d'avant, où sa gueule Laurent Wauquiez. Je pense qu'il y en a au moins une où j'ai fait des faux bandeaux BFM ou quoi, où en dessous il y avait marqué Laurent Wauquiez. Il y a la vidéo où on lit les commentaires, où on parle beaucoup de Laurent Wauquiez. Je pense qu'au bout d'un moment, voilà, là ce que je vous assure que Laurent Wauquiez sera totalement absent de ma prochaine vidéo sur YouTube. Parce qu'on en a assez vu quoi, c'est bon, on en peut plus. Ok, on va commencer avec 4, 6, 8, 9 joueurs, ce qui est déjà pas mal. Et du coup, on va commencer par 16 courses et après, on fera 12 courses. Attendez, parce que j'ai dit 28 courses. J'ai dit 28 courses, donc c'est des multiples. Non, on va faire 16 et 12. Hein. Ou alors, on fait 8 et 8 et 12. Pour plus renouveler le lobby. Non, en vrai, je pense que 16, ça ira. Les gens compléteront les places. Non, je pense que ça ira. Ok. Tac. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait 16 et 16, ça fait 28. Première fois que je vais participer à une course, je me prends au jeu. Une course dans Mario Kart ou dans PronoKart?
Parce que dans Mario Kart, je te préviens, on joue avec des gens qui se lavent pas. Hein. Ça va être terrible. Hein. On est sur des trucs sales quand même. Dans Mario Kart, j'espère que t'es très chaud. J'espère que t'es très chaud, GoFlotté, je te le souhaite. Salut, Cole33, 33. Oh, coucou, Owen. Comment ça va, Owen? Et nous allons commencer par... Le suspense, c'est vraiment insoutenable. Hein. Par le road trip à Los Angeles. Enfin, on aurait quand même pu faire traverser de Tokyo pour en hommage à Laurent. Ça va, Owen. Vas-y, après, moi, je vais voter Tokyo. Je vais voter Tokyo et on va dire c'est la map Laurent Wauquiez, ok? Oh, la musique, c'est vrai que c'est cette musique. C'est horrible, frère. En plus, elle est mille fois trop forte, la musique, mais je vais pas avoir de marge de manœuvre pour baisser le son, là. Ah, je prends le half-pipe, hein, c'était calculé, bien sûr. Ok. Oh, y'a GoFlo. Donc ouais, j'avais deux objets. Putain, j'ai mal calculé mon coup, là. Ah! Y'a du cut, là, hein. En vrai, s'il n'y avait pas de lag, je l'aurais vraiment mis dans la merde parce qu'il se serait retrouvé en plein milieu du cut sans champi. Ça me va. Ça me va. Ah, ça a l'air d'être vraiment opti de passer au-dessus, hein. C'est quoi ce bug? What? Wow, il y avait des cadavres à la fin de la map, j'ai jamais eu ça en 10 ans de jeu. Je valide quand même le prono 1. En fait, il y a combien de personnes qui ont eu des erreurs de code dans la room, là? Il y avait vraiment des gens dans la room? Merde. Attendez. En fait, je vais pas changer de code. Attendez, je regarde juste ce que ça fait comme écran. Ah ouais, si, il faut que je recrée et tout. Ok. Eh ben, on va changer le code, les amis. Ouais, il y avait des gens qui roulaient vraiment? Non, valide pas. Oui, j'étais là, mais on sentait un lag. Ok. Ok, voici le nouveau code. Je vais l'écrire. Et puis, Irene, si tu veux désépingler celui que t'avais mis et épingler le nouveau. Ah, mais le jeu, il est toujours codé avec le cul, frère. Allez, bravo, les pronos 1. Je suis obligé de vous la donner. En vrai. Même si, en vrai, vous avez prono 1 sur une game où il était censé avoir 9 joueurs. Je suis pas sûr qu'il y avait 9 joueurs. Là, je pense qu'il y en avait 4. Mais vous pensez, c'est quoi? C'est la console de quelqu'un qui fait bugger? C'est quoi exactement? Parce que... Moi, le stream va bien, donc j'ai tendance à dire que la connexion va bien. Bon,
Bon bah déjà on va changer le titre parce que déjà on n'aura pas 28 courses, on aura peut-être 29. Donc je vais mettre 29 pour l'instant puis on verra. Bah en fait, c'est du P2P Owen, mais ça justifie pas la façon dont le jeu se comporte en fait. Un an. Tu vois ce que je veux dire? Merci BG pour l'année. Merci infiniment et merci pour ton prime. En fait, le problème, c'est que... Bon, déjà, ils ont pas de serveur. Mais qu'en plus, la façon dont se comporte le jeu, quand il y a juste une console qui fait de la merde ou une connexion qui fait de la merde, ça pénalise tout le monde. Alors qu'en fait, ça pourrait faire en sorte que juste ça pénalise la personne qui fout la merde. Mais non, ça pénalise tout le monde. Ah merde, on avait dit on votait la map Laurent Wauquiez. Oh là là, je le ferai après. En vrai, je sais même pas, je crois qu'il est même pas allé à Tokyo, mais tranquille. Vas-y, j'y pense après à la map Laurent Wauquiez. Je suis sur la connexion du Crous, à tout moment c'est moi. Oh merde. En vrai, si la connexion du Crous, c'est comme les repas du Crous, c'est sûr c'est toi. Allez, proc la map direct, please. Ah, c'est FF. Je lance quand même les pronos, mais... Et vas-y, frère, le jeu... Le mois prochain, le jeu, il a 10 ans. Ils savent toujours pas coder le online. En 10 ans, frère. En 10 ans, c'est une dinguerie. Non, en 10 ans, c'est très très chaud. Moi j'ai cru que j'allais me faire bouffer par une plante. En fait c'était juste son perso, c'est la plante. Et par contre reste devant la plante avec ta carapace là. Avec ta connexion du Crous là. D'où ça lui fait pas enlever sa carapace? Ah! Merde, la même idée que moi. Quoi? Bon, en tout cas, il y a plus de gens sur la map, hein, que tout à l'heure, j'ai l'impression. Vas-y, je peux jamais avoir les doubles objets. J'ai pas le droit au bonheur. Oh, le bourbier. Vas-y, je tente de passer par là. Je vais garder le Champlar au cas où je me fasse attaquer, comme ça je pourrais restart vite. Ah. Ouais. Y'a personne derrière moi là. Je tente. Oh, j'ai failli me prendre un avion là. Oh, l'objet est à chier en vrai. Ok, bon. J'ai été régu sur la fin en vrai. Je me suis pas fait attaquer. Bravo les gens qui avaient prono 3. Ça m'avait manqué de venir bouler le niveau ici, tiens. Attends, comment ça? Le niveau dans la room là, c'est grave un peu, c'est chaud en vrai. Et bravo les gens qui avaient prono 3, c'est Badman qui prend la tête. Badman, la seule personne à avoir fait deux bons pronos sur deux. Félicitations.
Ok, cette fois j'ai bien voté la map Laurent Wauquiez. Ah, t'es en train de critiquer mon niveau? Oh là là. Il y a un code pour la room? Ouais, mais c'est complet là actuellement. Mais si jamais il y a une place qui se libère, le code, ce sera 4476Q. Et ce sera l'arène d'Excitebike à 12. C'est parti. Je critique alors que j'ai pas touché le jeu depuis 8 mois. Ah ouais, Owen, viens dans la room qui... des gens qui se lavent pas là. Après, tu vas voir. Tu vas voir. Allez, c'est parti. Du, 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 du. Ok, bien, bien, bien. Ok. Je vois exactement ce qu'il va essayer de faire. Ok, des bons objets de défense, même si on n'a pas de klaxon. On a presque pas envie de s'en séparer en vrai, hein. Ah non, c'est chaud ça. Ouais. Franchement, le nombre de fois où vraiment je me prends rien de la game. Et que tout d'un coup, quand on m'envoie deux rouges, t'as un bout pile à ce moment-là, je commence à me dire que c'est scripté, hein, c'est pas possible. Franchement, je me dis c'est scripté. Et pas de bleu, évidemment. Ouais, c'est dangereux de faire ça. Hein. Tra, puis les objets de merde, chef. Vas-y, je pouvais camper la première place, là. Je suis abattu. Beaucoup de gens avaient tenté le prono 2. Félicitations à vous. Et pour les autres, vous inquiétez pas, ça va venir. Et au moins ici, il n'y a rien à perdre, c'est gratuit. Dites-vous qu'en fait, là, les gens qui n'ont pas gagné des pronos, en fait, d'une certaine manière, vous avez gagné de l'argent. Parce que si vous aviez joué à un jeu de paris sportif de merde où faut miser de l'argent et que vous aviez perdu, vous auriez perdu de l'argent. Tandis que là, comme vous avez perdu, mais que votre compte en banque ne bouge pas, vous avez gagné de l'argent quelque part. Donc ne soyez pas triste de ne pas avoir gagné de prono. Eh oui, malin. Ah, j'ai pas vu. C'est toi, Luigi, qui est en tête de cette session pour l'instant. Bravo, bravo, bravo. Oh non, j'ai pas eu le double. C'est terrible parce que là, si on avait eu un champlard, je pense qu'en vrai, on mettait une bonne distance à tous les adversaires et potentiellement pour toute la game. Parce qu'en fait, on aurait eu une de ces avances. Ouais, faut le tenter, là. Ouais, je me suis pris quoi? Je me suis pris ma propre boulasse, sans déconner?
Non, j'ai dû me prendre un autre truc. Mais du coup, ceux qui ont gagné ont perdu de l'argent, car s'ils avaient vraiment parié de l'argent, ils auraient eu de l'argent. Oui. Oui, on peut voir les choses de cette façon. Mais ne le faites pas, n'allez pas jouer à des trucs de paris payants quand même, c'est de la grosse merde. Vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Et un très bon cash investigation récemment qui est sorti d'ailleurs sur ce sujet. C'est bien de la grosse merde. C'est pour ça qu'il faut préférer PronoCart à tout ça. Je tente. Allez, hop. Champlard maintenant. Ok, pas de foudre par contre. Ah, ADN l'atomique va être très fort. Ok, il prend pas le cut. Non, pourquoi je me fais voler maintenant, chef? Je voulais tenter un snipe banane de légende. En plus, il aurait rien pu faire avec son klaxon, ça aurait été parfait. Dommage. Ok, franchement, pour l'instant, mon niveau, il est propre, hein. La phrase est catastrophique, Cohen. Ok, Luigi qui conserve la tête, mais par contre Mélis qui va monter sur le podium et prendre la deuxième place, alors que Batman, lui, descend, mais tout en restant sur le podium, avec la troisième place pour l'instant. Ça vote toujours la map Laurent Wauquiez ici, bien sûr. En vrai, Owen, ouais. Attends, Yena, les pronoms n'ont pas commencé encore. Il faut le faire dans le bon timing. Et c'est la map Laurent Wauquiez, ça y est, c'est parti. Tac. C'est quoi la question, petite loutre? Il y a une question, j'ai vu passer ton nom. Ah oui, pour GeoGuessr, ouais, pardon. Oui, alors, si jamais vous n'êtes pas au courant, ce week-end, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez, qui a donc été très représenté dans le pays dans lequel nous jouons actuellement. Ce week-end à Thonon-les-Bains, il y a une LAN sur GeoGuessr organisée par la Ligue GeoGuessr. C'est une LAN qui se tient à l'événement le Thonon Gaming Fest. Samedi et dimanche, de environ 9h à 16h le samedi et le dimanche. Je serai présent sur place, mais ce ne sera pas, il me semble, accessible au public. Donc n'y venez pas en espérant me rencontrer. Mais par contre vous pouvez y aller parce qu'à mon avis ce sera quand même un chouette événement. Mais je crois que ce sera pas en public qu'on commentera la LAN. Et donc je commenterai cette LAN qui est une LAN en soi, c'est une LAN internationale, parce qu'on a des joueurs qui viennent notamment États-Unis, Canada et beaucoup de Suisse vu que c'est juste à côté. Mais évidemment comme c'est quand on est quand même loin de certains endroits du globe, il y a une très grande majorité de Français et de Suisses, quoi. Et c'est donc ce week-end, le week-end qui suit, là, les 27 et 28. 27 et 28. Avril. Faudrait que je demande une confirme quand même sur le fait que c'est pas en public, mais je crois vraiment que c'est pas en public. Mais donc ce sera à suivre sur la chaîne Twitch de la Ligue GeoGuessr. Je sais plus si leur chaîne Twitch c'est la Ligue ou la Ligue GeoGuessr. Je vais regarder tout de suite. Je crois que c'est la Ligue GeoGuessr. Hein. Twitch.tv/la. C'est la Ligue GeoGuessr. Voilà, ce sera diffusé sur cette chaîne que je vous mets dans le chat. Et c'est moi qui caste
avec des gens de la ligue qui sont beaucoup plus compétents que moi sur les méta, sur les trucs comme ça dans le jeu. Donc voilà. On a envie de jouer quoi ? Je sais pas ce qu'on a envie de jouer, frère. Allez. Et c'est pas que du France. Ah oui, et les, pardon, les maps qui seront jouées, non, ce sera pas que en France, a priori, non. Et ce sera l'île de Yoshi. C'est parti. Ah, très bonne map en vrai. Dommage. Oh, je me la prends en plus. Je suis abattu. Bah en vrai, je crois que c'est quand même mieux de prendre la rampe plutôt que de cut avec les champis. Hein. Ouais, je pense que quand même. Ah, qu'est-ce qui me fait chier avec ça rouge? WG va tenter une bombe. Ouais. Je m'en doutais un peu. Le problème, c'est que derrière, il doit toujours avoir sa raid. Et moi, en même temps... Ouais, je me prends la bleue. J'ai pas réussi à la dodge. Hélas. Ça, c'est trop haut pour que je me la prenne. Hop. Ah. Non. L'absence d'objets à cet endroit-là qui fait trop mal en vrai. Oh non, mais... Aïe, 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 je suis à chier. Ah, vas-y, c'est pour les gens qui prono déplacent plus basse, hein, évidemment. Oh, ça aurait pu être top 1. Ce sera top 20. Non, en vrai, ça va être un bon top 9, hein, je pense. Putain, est-ce que je le tente? Oh, oh, le timing de cette étoile est incroyable! Oh, le timing de l'étoile! Je pense que si je lançais mon étoile une frame plus tard, je me prenais la foudre. Je pense vraiment que ça s'est joué à la frame très précise. Oh la dinguerie. Et bravo les gens qui avaient prono 5. Vous êtes pas hyper nombreux. Mais ça fait les affaires de la Moonrain, notamment. Qui passe en 3ème position. On note Magikarp qui arrive et qui win direct. Hein, Magikarp est un tricheur, tout le monde le sait. S'il vous plaît, attendez de voir cet écran au-dessus de ma tête avant de lancer les pronos, s'il vous plaît. C'est gentil et ça permet à PronoCart de ne pas péter un câble et de ne pas vous bannir, ce qui est quand même, je pense, un truc que vous souhaitez éviter. Et en plus, si jamais vous regardez ça, vous avez pas l'image ou quoi, c'est quand même écrit dans le chat également quand c'est que vous pouvez prono.
Et pareil, évidemment, cet écran au-dessus de ma tête, quand c'est écrit ça, il faut arrêter les pronos, c'est trop tard, dommage, une prochaine fois. Et voilà. Merci de me pousser parce que sinon j'étais pas dans l'axe, donc merci infiniment. Ça par contre ça me fait chier. Non par contre tu m'as eu en wifi là, faut pas abuser. Oh, il y a un bout qui a pris un objet devant moi, j'ai l'impression. J'ai vu les boules de feu, j'ai cru que c'était la plante piranha dans le décor qui tirait des boules de feu de manière random. J'étais en mode quoi? Depuis quand il y a ça? Mais non, c'était bien évidemment quelqu'un derrière. Je vais quand même tenter celui-là. Putain, je fais toujours le pire choix. Je suis très mauvais pour décider sous la pression. Allez, on tente le cut. Chef, qui c'est qui backspam des vertes en étant 14e là? C'est trop. 11e frère. Après, la map est longue en vrai, j'ai encore le temps de me rattraper, mais quand même. On va essayer de farmer des petites gold hein, en même temps. Bon, là, je vais peut-être pas aller dans l'endroit de merde non plus, mais. Alors là, il y a moyen de. Attends, le champi doré peut être bien si je l'utilise bien. Ah non, il n'y a pas un autre cut après rapidement. Non, il est pas assez rapidement. Non, mais en fait, c'est sur le tour 3 après les cuts. Ouais. Non mais prends-toi les boulasses. Je lui envoie 50 boulasses, il se les prend pas, c'est trop grave. Ah ouais, donc là j'ai un cut avec ce champlard. Ah, je pourrais pas faire des dingueries sur celle-là, je pense hein. Ouais, je préfère prendre. Je garde mon champi parce que j'ai trop peur de me prendre un truc en vrai. C'est 8ème, 7ème. Bravo les gens qui avaient prono 7. Oh, Cassor, ça y est, Cassor qui rentre dans la course. En plus, avec un bon score hein, quand même. Hein. Ok, Cassor, Emlindé et Kalim, tous les trois qui rentrent directement dans le classement parce que le gain de points est assez important. Et ce sera le flipper Waluigi. C'est parti, vous voyez les cotes qui s'affichent. La place qui rapporte le moins, c'est la 5ème avec 163 points. Celle qui rapporte le plus, c'est la 12ème avec 1120 points. En fait, j'aimerais bien avoir les 10 gold maintenant, mais j'ai envie de conserver le champi au cas où il me... Voilà. Pour ça, par exemple. Exactement. Aller choper les 5, ça vaut pas le coup. Ah, j'ai pas eu le temps de réagir. En fait, j'ai réagi de la pire des façons, à savoir j'ai proc le champi, que ça m'a cancel instant, du coup. Mais j'ai pas pu proc la carapace pour me défendre. Aïe aïe aïe, terrible les bananes à cet endroit là en vrai, c'est malveillant. Ah, je suis un peu glouglège, ça passe.
What? Mais pourquoi elle passe pas au milieu? Quoi? Quoi? Il vient de se passer une énorme dinguerie. Il vient de se passer une énorme dinguerie dans le jeu, j'ai jamais vu ça. Alors, j'explique ce qui vient de se passer. Je me suis pris la bleue. Après, j'ai appuyé sur le champi. Et quand j'ai appuyé sur le champi, mon kart, il s'est rien passé. Genre, il a... Putain, il a à peine avancé, en fait. What? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai jamais vu ça dans le jeu. C'est une dinguerie. Chef. J'étais censé pouvoir le tenir à distance, normalement. Il y a combien de courses dans ce tournoi? Il y en a 16 et après on refera un tournoi de 12. Bon là c'est tendu mais je vais le tenter. J'aurais peut-être pas dû, il va peut-être s'en servir. Non, il s'en est pas servi. Ah il est trop loin. Il est trop loin. Je peux la voir? Non je peux pas la voir. Peut-être j'aurais dû tenter la... Ah je sais pas. J'aurais peut-être dû tenter la rouge mais c'était dangereux. C'est indiscret de te demander quel Elo tu es sur Mario Kart. Pas du tout, par contre j'en ai absolument aucune idée, je me souviens pas. J'en ai absolument aucune idée. Félicitations putain tous les gens qui avaient prono 2 là. C'est Lutanik qui passe en tête, suivi par Maya et Emeline D qui... Oh là, Emeline D en 2 pronos. Emeline D en 2 pronos qui est passé de 0 points à 3ème du classement, c'est ça? Opinion impopulaire, mais j'aime pas Flipper Luigi. Putain, effectivement, il y a pas beaucoup de gens qui aiment pas Flipper Luigi. Un truc que je me suis toujours demandé, par contre, c'est ton nombre d'heures sur Mario Kart 8 Deluxe. En vrai, j'y joue pas tellement en dehors des streams. En vrai, on pourrait presque regarder. Putain, oui, mais il y a plein de... Mais en vrai, je crois que c'est beaucoup, mais en même temps, pas tant que ça. Genre... Putain, ah, j'y jouais énormément avec Monsieur Connard, quand même, avant de me lancer. En fait, le jeu est vieux, c'est ça. Il faut se rappeler qu'en fait, j'y joue depuis 2017, du coup, quand même. Donc en vrai, si, je dois quand même avoir pas mal d'heures dessus. Hein. Je sais pas. Je pense que j'ai entre 1000 et 2000 heures. Hein. Je sais même pas en vrai, si j'ai réel... Non, en vrai, peut-être même pas. J'ai peut-être même pas 1000 heures en vrai. Ce qui est déjà pas mal, hein. J'aimerais bien réussir à placer le cut avec le champi sur cette map en vrai. Il me le faudrait vraiment maintenant par contre. C'est abusé, je lance 3 fois le boomerang, 3 fois je vise mal. Oh, je me fais tellement Mario Kart Head là. Le problème c'est que là je peux plus tenter le cut maintenant parce qu'il serait trop dangereux là. De toute façon il n'y a pas d'objet. L'objet est après le cut donc dommage. Chef. Allez, toujours deuxième, bien sûr. Mérité.
La dégringolada était random et la remontada était random aussi. Bon. 5 personnes qui ont voté aléatoire. Et ce sera le circuit Mario de DS. C'est parti. Je libère ma place après la course 10 si quelqu'un veut. Voilà, il y aura une place après la 10e course si jamais. Donc pas celle-ci mais celle d'après, il y aura une place qui se libérera. J'ai vraiment choc de fou. On va dire que c'était pour bac des bons objets. Hein. C'est pour les objets, vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle, bien sûr. Regardez, là, je suis 12e. Hop, objet de 12e. Tac, triple champi. Du coup, je fais hop. Et après, je fais ça. Hop. Et après, je fais ça. Et voilà, je suis 5e. Et là. Hop. Bon, ok, j'aurais dû l'utiliser sur le virage d'après. Certes. Non mais je fais trop de la merde en vrai, c'est scandaleux. Non mais là c'est pour avoir des bons objets, parce que regardez comme ça là. Je vais passer ici. Hop. Et là je fais tac. Ah, il me saoule lui. Ça... Quoi? Non mais vas-y, encore plus en wifi s'il vous plaît. Hop. Dommage mes petits champis. Enfin, personne en build se met tellement bien. Elle est bien placée, hein. Elle est vraiment bien placée, cette bombe. Je pense que je pouvais l'esquiver, mais il fallait que je réfléchisse beaucoup plus vite que ça. Troisième. Bravo les gens qui avaient prono 3. Enfin, j'aurais peut-être pu l'esquiver, la bombe. En allant peut-être à l'extrémité, à droite. J'ai pas eu assez de temps de réaction. Ah, ça aurait peut-être été possible. J'aurais peut-être pu faire un petit top 1. Du coup, au niveau du classement, Batman remonte, et sinon le classement ne bouge pas trop. En vrai, c'est une map qui se remonte beaucoup si t'as les champions aux bons endroits, en vrai. C'est parti pour la corniche champignon. Le jeu il est buggé ou personne n'a fait de démarrage turbo? C'est quoi ce bug bizarre là? Chef. C'est trop grave, déjà je me tape une pièce alors que je suis deuxième.
Et en plus, mon autre objet, je me le fais voler, quoi. Moi, je suis trop con, j'aurais dû garder... Ah, le jeu est méga laggy. C'est la connexion du Cruise, ça, je reconnais. Ouais, j'ai hésité. C'est long de grandir, là. Hop, là. Oh, les objets nuls. Pas eu un seul champi pour faire le cut pour l'instant. Ça, j'en peux plus là. Est-ce que je vais pouvoir garder ces objets sans me les faire voler? Sans me prendre la rouge qui est là également. Franchement, je pouvais pas faire mieux les amis sur celle-là. Hein. J'ai tout donné. Hein. Mais celle-là... Vénère quand même. Bravo les gens qui avaient pronos 5. Bravo à vous. Petite loutre. Théodore qui monte dans le classement. Ok, il y a une place qui s'est libérée. Et s'il vous plaît, les amis, vraiment, je l'ai dit il y a quelques instants, s'il vous plaît, ne faites pas des pronos avant ou après la période pour faire des pronos. Il y a quand même, et à l'image, et dans le chat, des cartons qui vous indiquent quand c'est le moment de faire des pronos. Exemple. Actuellement, c'est le moment de faire des pronos. Quand il y aura marqué « Stop, veuillez arrêter », avec un écran rouge, ce ne sera plus le moment de faire des pronos. Allez, c'est parti. Unlucky. Ok. Oh, ça aurait pu être beau. Bon, on va se priver des prochains objets. Putain, j'espère vraiment qu'il va pas y avoir de foudre. Je reste sur le chemin du haut, il me paraît plus safe, ouais. Il l'est. Okay, ça se joue un peu dans un mouchoir de poche à partir de là, en vrai. Problème de pas avoir d'objets défensifs, quand même.
Voilà, bombe. Non, chef. Ah non, y a pas le temps. Bravo les gens qui avaient prono. 1 Il y en a quand même pas mal des pronos 1. Donc là par exemple c'est pas le moment de pronos, tout à fait. Tout à fait, là par exemple c'est pas le moment de faire des pronos. Lagbou, les amis. Bravo pour les 100 000 points, Purple Lelin. Bravo, bravo. Félicitations. Putain, la troisième place vaut vraiment pas grand chose. Hein. 106 points seulement pour la troisième place. Et celle qui vaut le plus, c'est la 12e avec 1549. C'est énorme. Et oui, tout à fait. 100 000 points parce qu'il y a aussi le classement perpétuel. C'est-à-dire si vous allez sur pronocart.com, vous avez aussi le classement depuis que Pronocart existe. Il y en a qui sont assez loin. Ouais, bon. C'est pour back des meilleurs objets, vous inquiétez pas. Tout est calculé ici, bien sûr. Ah bah, j'ai raté beaucoup trop de sauts. Scandaleux. Oh, j'ai voulu grid, je savais pas qu'il y avait un trou à cet endroit-là. J'ai tourné dans le mauvais sens. Non, mais je suis mauvais, celle-là. Oh, Luigi, il aurait dû se la prendre normalement, je suis abattu et c'est moi qui me la prends du coup, putain. Foudre, 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 foudre. Quatrième. Un peu tard la foudre. Bravo les gens qui avaient prono 4. Terrible ON. Je viens d'apprendre ma présence dans le top 1000 de l'histoire de Pronocart. Très fier de cet accomplissement. Félicitations, Yolo Sems. Ouais, le bill était un peu honteux, j'avoue. C'est parce que le premier devait être très loin devant, je pense. Et ce sera Big Blue. C'est parti pour Big Blue, les amis. Alors désolé, vous l'aurez remarqué, en ce moment je fais des streams assez courts. Je suis vraiment navré pour celles et ceux qui aimeraient voir un peu plus de streams.
Je suis un peu fatigué en ce moment, ouais, je sais pas trop ce que j'ai, je pense juste que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Et j'ai des trucs à gérer, on va dire IRL entre guillemets, qui font que je suis un peu moins présent en ce moment. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup de petits streams courts qu'on enchaîne là, on a fait du Trackmania, du Fall Guys, et là un petit 2 heures de Mario Kart. Mais dès que j'aurai l'occasion de refaire des lives plus longs, ce sera avec plaisir, bien évidemment. J'espère que c'est pas le Covid, non, Owen. Putain, c'est vrai, putain, vous vous souvenez? En vrai, je suis en train de me dire... Oh putain, j'espère vraiment que j'ai pas le Covid. Vous vous souvenez, mardi? Mardi, c'est le dernier... Ouais, le dernier mardi, hein, le mardi à Mongus, là. J'étais méga malade. Genre, enfin, déjà, quand j'ai commencé les streams, ça allait un peu mieux, mais j'étais quand même un peu malade et tout. Et le lendemain, plus rien. Trop bizarre. Ça m'avait jamais fait ça, genre... Comme si c'était, hop, je vais tomber malade ultra vénère, mais ça a pas duré. Imaginez, en fait, c'est genre le Covid... variante 3833, où t'es malade juste day one. Ah, je sais pas pourquoi j'ai gamble cette verte. Troisième, bravo les gens qui avaient prono 3. Je pense que c'était ce qui rapporte le moins. Covid flash. Le Covid court, ouais, c'est le Covid court en fait. C'est vraiment Covid très court. Covid express. Non mais après ça va, hein, vous inquiétez pas, hein, mais ouais, justement, je fais attention, je pousse pas en faisant des trucs que je suis pas en capacité de faire. Le Covid. Non mais j'y rigole pas, les gens se demandent maintenant pourquoi ils ont des symptômes de fatigue chronique alors qu'ils l'ont chopé plusieurs fois. Moi normalement je l'ai chopé qu'une seule fois. Ok. Oh non, mais non, pourquoi on a parlé de ça? Bon après, de toute façon, personne regarde sur JDS Mansion les VOD Mario Kart, mais il va y avoir marqué en dessous de la VOD information coronavirus, tout ça, tout ça. Mais ouais, j'avais déjà vu, je sais plus quel truc. C'était... Ah si, je crois que je sais. Il me semble c'était dans un best-of de Antoine, dans lequel j'étais, où on jouait à Fall Guys, mais genre il y a vraiment pas très longtemps, genre il y a 6 mois. Et dedans, il y avait un gros truc coronavirus, parce que je sais plus, on avait dû en parler 2 secondes, ou faire une imitation de Renault, ou je sais plus quoi. Et du coup, il y avait marqué information coronavirus et tout sous son best-of. Je sais plus ce que c'était, mais c'était vraiment genre on en parlait pendant 10 secondes pour dire une blague, quoi. Et il y avait l'énorme encart bleu en dessous. Ah merde, je pensais avoir un champlard, là. Même pas de champlard, bah oui, mais trop tard maintenant. Juste avant les objets, ce serait parfait. Bon. Mais vas-y, j'ai spam... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, j'ai spam l'étoile exprès pour ne pas que cette situation arrive et elle arrive quand même. Il y a vraiment un lag sur le proc des objets, je suis formel. Maintenant, il y a la preuve. Merde, j'ai fait une grosse connerie, je vais me la prendre. Moi, je me la prends pas, mais ça ne va pas durer. Voilà.
tente pas la première place, donc je ne lance pas mon objet. Bravo les gens qui avaient prono 2. Non, je crois pas que ça fasse sauter la monétisation, Prado, par contre. Et bravo, bravo les gens qui ont gagné des points. Le Metrat notamment. 178 points, félicitations. Et oui, des fois, c'est de faire des pronos qui rapportent pas beaucoup, qui permettent d'avancer dans le classement. Tout simplement parce que, bah voilà, en fait, Pronocart calcule les places qui ont le plus de chances d'arriver. Là, par exemple, je vais lancer les pronos dans un petit instant, dès qu'on connaîtra la map. Et Pronocart va nous dire qu'est-ce qui lui paraît le plus crédible en termes de place. Voilà, voilà, alors, Pronocart, s'il vous plaît. Selon Pronocart, la place que j'ai le plus de chances de faire est... la troisième place. Et la place que j'ai le moins de chance de faire est la 12e place. Dans la prono 1, il rapporte vraiment pas beaucoup en vrai. Hein. C'est pas bien payé le prono 1 là, je trouve. Et c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui prono 1, je sais pas. Non, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de place qui rapportait moins de 100 points. Je sais pas si Drawrunner t'es sur le live actuellement, mais on est d'accord que c'est théoriquement toujours possible que ça arrive. Qu'une place rapporte moins de 100 points. Oui, normalement, on est d'accord. Hein. Ça fait super longtemps que c'est pas arrivé. Après, il faut beaucoup de conditions pour qu'une place rapporte moins de 100 points, donc en vrai, c'est pas si étonnant que ça non plus. Ça va être un peu juste, mais ça passe. Ah, c'est pas fou. Mais ça passe. J'ai un peu troll, là. J'ai carrément troll, même. Allez, je vais le proc maintenant au cas où il y a une foudre, même si c'est de moins en moins probable. Oh, les boulasses, les boulasses. Oh, le vol. Franchement, le tour, il a très mal commencé, il a très bien fini. Hein. Mais Lutanik et Maya, vous êtes vraiment à égalité pile poil? Est-ce que vous avez obtenu les mêmes bons pronos? C'est ça la question que je me pose. C'est est-ce que vous avez le même nombre de points mais que vous êtes arrivé différemment? Ou est-ce que vous avez fait les mêmes bons pronos? Je sais pas si moi j'ai la possibilité de voir ça ou pas. Mais non, Maya. Ah, mais juste, il y a de la copie. Ah, ok. Ça copie. Ah, c'est un couple qui se copie, c'est trop grave. Eh, s'il vous plaît, le chat. Ils jouent à deux, les tricheurs. Je ne veux pas. D'une égalité sur le podium. Après, plus loin, dans 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas d'égalité. Ça, ok. Mais 1, 2, 3. Bien sûr. 1, 2, 3, il faut pas d'égalité. Non, mais je rigole. Non, mais Maya. Continuez à faire ça. Mais juste, moi, je dis, il reste pas mal de courses. À mon avis, vous allez vous faire détrôner. Parce que les égalités, en général, au bout d'un moment, ça se fait détrôner.
On va voir. Non, continuez. Vous avez totalement le droit de copier sur quelqu'un. À vos risques et périls, bien sûr. Mais vous avez totalement le droit de copier sur quelqu'un. C'est tout à fait autorisé. Hop. Du coup, Irene, c'était toujours dans le coin. Un nouveau code. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui se souviennent à quelle course on en était à peu près? Ah, on en était... Ok, on en avait fait pile 16. On en avait fait 15 et on en avait fait une avant, donc on était pile à 16. Bah, c'est parfait, du coup, je remettrai 12. Course 4, bien sûr. Par exemple, copier sur Cassor ou Magikarp, c'est la win assurée. Et pour l'instant, Cassor, il se galère. Cassor, il m'a dit, c'est ma soirée, mais bon, bizarre. Et je vais remettre 28 courses dans le titre, du coup. C'est parce que le jeu se souvenait qu'on avait déjà fait la première, bien sûr. Il reste une place encore. Et voilà, on est 12. Allez. On va faire le mode spécial. On va faire la spéciale. La spéciale, c'est pas de bloops et c'est pas de plantes. Allez, c'est parti. Jeu de merde, ouais. Oh, yaya, Cassor, comment tu y vas? Cassor qui ne mâche pas ses mots. Vous ne pouvez pas dire objectivement que Chrono Kart est un jeu de merde. Parce que Chrono Kart, c'est un banger. Tout le monde s'accorde là-dessus, voilà. Runner, la légende hein, qui est dans le chat, qui a développé tout ça, qui a fait tout ce que vous voyez là au-dessus. Regardez, mais les belles couleurs des pronos, mais moi, je kiffe. On a eu une discussion cet après-midi avec Draw Runner. On va peut-être légèrement devoir réduire la taille de ça. Des pronos. Et moi, ça me rend triste parce que c'est trop beau. Moi, j'aurais envie que ce soit en plein écran, genre limite. Tellement c'est joli, les petits dégradés de couleurs et tout. On va peut-être devoir réduire un petit peu la taille de ce truc-là. Mais un petit peu, genre. On n'en dira pas plus. Non, on n'en dira pas plus, Aéry. Non, on garde le suspense. Voilà. Vous savez qu'on va peut-être le réduire un peu, mais c'est pour des bonnes nouvelles. C'est pour des bonnes nouvelles. Vas-y, mon perso léger de merde, là. Franchement, j'hésite à aller choper des objets là-haut. Putain, j'ai plus du tout envie de ce double objet. Un champlard ? Non. Pourquoi moi, là ? Oh, file, merci. Chef. J'ai pas d'objet, ça bug. Putain, mais qui c'est qui... Oh, c'est dégueu. Franchement, déjà, j'ai eu deux... j'ai eu deux fois le triple champi, c'est même pas possible dans le jeu, frère. Ce jeu, il est vraiment codé avec le cul, c'est une dinguerie. Ah, dommage.
Bravo les gens qui avaient Prono 7, s'il y en a. Oui, alors en vrai, Prono Kart est mieux codé que Mario Kart 8 Deluxe, c'est factuel. Hein. Je pense... Alors qu'on a eu des, soucis hein, sur, sur Prono Kart. Et je pense qu'on a eu moins d'erreurs online sur Prono Kart que sur Mario Kart 8. Je suis très sérieux. On va avoir une erreur de co. Mais il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui fait laguer la room, c'est obligé. Il y a quelqu'un qui fait laguer la room, hein, je pense. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fait laguer la room, en vrai. Alors, c'est pas normal que ça impacte tout le monde. Mais bon. C'est comme ça. Du coup, faut que je rechange le titre. On va repasser à 29 courses. Pardon, je retrouve plus ma scène. Tac. Irene qui a épinglé 250 codes aujourd'hui. Merci beaucoup Irene, hein. Merci infiniment pour les travaux. Bon, si jamais vous avez l'impression que ça pourrait être vous qui fait laguer de fou la room, eh ben, ne venez pas. et du coup, bah, voilà, là, si vous... Il va peut-être y avoir une place de disponible si quelqu'un veut nous rejoindre, on verra. Du coup, moins il y a de gens qui ont prono sur la même place, plus le pronostic gagnant marque de points. Non, pas en direct. Non, non. Peu importe le nombre de gens qui prono une place... sa valeur ne bougera pas sur le prono en cours. Par contre, ça fera varier l'importance du nombre de points sur le prono d'après. Il reste des places si jamais vous voulez. 5, 6, 7, 8. Il reste 4 places. JD en mode cassez-vous les viewers jouaient. Non mais c'est pas ça, c'est juste qu'il faut que le jeu soit jouable. J'ai dit si vous suspectez que ce soit à cause de vous que le jeu lag beaucoup... à cause de votre connexion, notamment que ce soit que vous avez une mauvaise connexion internet ou alors que vous êtes loin de votre box avec votre console, s'il vous plaît, ne rejoignez pas. Voilà. Eh ben, écoutez, les gens rejoignent. On est 8 et les gens rejoindront au fur et à mesure si jamais il y a d'autres gens qui veulent rejoindre. Genre si quelqu'un joue au milieu de la forêt en 3G, voilà, il faut arrêter par exemple. Comme quoi, j'étais pas le responsable. Putain, la connexion du crew, c'est meilleure que la connexion d'au moins une personne dans le lobby. J'ai la fibre, donc ce n'est pas moi. A priori, non. Mais après, la Switch, si genre par exemple, vous habitez dans un appartement et qu'il y a énormément de gens qui utilisent les ondes Wi-Fi qui sont les ondes 2,4G, si je dis pas de bêtises... Et ben s'il y a trop de gens qui utilisent ça, ça peut saturer les ondes Wi-Fi que la Switch voudrait utiliser, par exemple. Et ça peut pas être moi. Parce que moi, vous me voyez bien. Et en plus, ouais, moi en plus aussi, je suis en Ethernet aussi, moi. Ah bah j'ai lancé Owen, tu rejoindras sur la prochaine. Il y en a peut-être un sur la connexion Wi-Fi du public du TGV. Oh l'enfer. On vote quoi? Ah si, je sais ce que je vote. Elle est où? Elle est là. Pam 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 pam. Non mais Topic Game et Owen, vous pourrez rejoindre à la prochaine. Techniquement, d'ailleurs, vous auriez pu rejoindre direct. Mais c'est pas grave, vous rejoignez sur la prochaine. Et comme ça, ça varie un peu les plaisirs, puisque regardez, les cotes du moment vont varier. Regardez la 12e place. Bon, elle vaut pas énormément plus que d'habitude. En vrai, elle vaut 1573.
Mais c'est quand même assez... C'est quand même pas mal. Par contre, il y a 4 bots, quoi, dans la room. Donc là, par exemple, la personne qui a prono 9, tu estimes qu'il y a au moins un bot qui va me casser la gueule, quoi. En gros. Ah, j'ai senti que ça irait pas cette affaire, hein. Non, attends encore un peu la rouge. Putain. Chier. Y'a pas de foudre là. Ah ouais. Pas si mal en vrai ce cut là, la façon dont je l'ai fait. Mais j'ai un bill en 3! J'ai un bill en 3, il a une étoile en 2! C'est qui le PGM là avec nous là? Oh chef, je suis abattu. Ça doit pouvoir le faire quand même. Non! J'ai grid. En vrai, j'ai grid un peu, c'est ma faute. Putain, c'est si long quand il te remonte par contre. Bravo les gens qui avaient prono 4. Bravo, bravo, bravo. Moi je veux Riverside Park moi. Bravo pour ton premier prono, Poel. Non, attends, Irene, je me demande si t'as pas dit des conneries. Attends. Non, Irene, ça passe, c'est plus comme ça, c'est pas ça. Non, bon alors là je suis désolé, la room elle est complète, mais je t'explique pour les prochaines fois, Topi Games. En fait, il faut aller dans Amis Adversaires. Et maintenant, depuis la dernière mise à jour, dans Amis Adversaires, tu peux rentrer un code. Il y a un truc qui s'appelle Entrer un code, mais qui est dans Amis Adversaires maintenant. Ça a changé. Mais désolé, du coup, Topi Games, entre-temps, c'est complet, je suis navré. Oh, le pic des... La montagne des cas. T'inquiète, Irene, pas de soucis. Et même si je t'ai pas en ami, ouais, en fait, c'est dans ami adversaire, alors que... Ben, tu peux y aller même si c'est pas... Même si t'es pas ami avec la personne, quoi. Mais ce système, il est 1000 fois plus pratique que les tournois, quand même, parce que... C'est beaucoup moins de préparation. J'ai pas besoin de créer un tournoi, de vous balancer un code... Enfin, en fait, le tournoi, c'est tout timé de manière un peu spéciale et tout. On peut pas choisir beaucoup de paramètres. Donc ça, c'est vraiment parfait. La nouvelle méthode est vraiment mieux, je trouve, en vrai.
Parce que les tournois, tu pouvais en créer que 4, il fallait que ce soit sur des horaires précis, etc. Enfin bref. Oh chef. C'est tentant de balancer des boulasses à l'arrivée là. Oh chef, je me suis fait karma instant. Hey, j'ai découvert un truc, attendez, je veux l'essayer. Vous saviez que ici on pouvait passer là? Ok, j'ai raté. Mais je vous jure, on peut passer là, genre. J'ai jamais essayé, faut que j'essaye après. Ah si, je suis unlucky de fou là. Non ! Ah terrible. Ah, je vous jure c'est possible le truc que j'ai fait. C'est juste que je connais pas bien. Eh vas-y, je l'utilise maintenant, tant pis. Hein. Je sais que le build pendant cette phase elle est pas opti. Il est pas opti, mais tant pis. Moi je veux juste essayer d'avoir le cut là. Non mais ça, il est hyper dur par contre à caler. Il est hyper dur à placer mais je vous jure c'est possible, j'ai vu des gens le faire. Ou alors ça se trouve c'est que en 200 mais je crois pas hein. Non, le bill est lent de fou hein. Non je crois qu'il y a peut-être qu'il y a besoin d'un champi ouais. Mais je vous jure, j'ai vu des gens faire ça. Mais j'ai pas du tout réussi. Il faudrait que je regarde des vidéos, c'était il y a longtemps quand même. Bravo les gens qui avaient prono 6. Ah bah y a que Ohori. Félicitations Ohori. Je l'ai fait en 150cc, mais c'est chaud, pas de champi nécessaire. Ok, ouais, c'est vraiment juste un truc de speedrunner, alors. Ok, ok. Bonne soirée, Augustin, merci d'être venu. Ok, c'est parti. La route claire de lune. Et vous pouvez faire vos pronos. C'est la 5e place qui rapporte le moins. C'est toujours la 12e qui rapporte le plus. Malveillant ce que j'ai fait un peu. Hein. Ouais, dans l'albus des PTT, je suis obligé de le dodge. Oh putain! Ouais, il avait deux trucs pour dodge. T'en as trois aussi? Tout ça pour me prendre ça. Tu as vu. Tu as battu. Y a pas d'objet là? Ah si, mais il est pas du bon côté pour moi.
On va conserver la petite pièce, le temps de prendre l'objet. Tac. Tac. Ah, j'avais de quoi faire un cut potentiellement, mais chaud. Petite bleue là. Waouh, merde, il s'est pas réellement pris le truc. Ok. Ah, dommage. Elle était belle en vrai. Je pourrais pas l'avoir quoi qu'il arrive en vrai, sauf s'il se fait voler son truc. Parce qu'il n'a que très peu de chances d'arriver. Ce sera un top 2. Félicitations les gens qui avaient prono 2. Bravo, bravo. Et Dib qui se met bien. Hein. Dib qui est la personne qui a gagné le plus de points de l'histoire de PronoCart, si je dis pas de conneries, si c'est encore le cas. Je crois que c'est encore le cas. Oh non, non, mais du coup, Maya a arrêté de copier sur Lutanic. Oh non. Trop triste. Ouais, Dib, toujours devant. 121 000 points et demi. Suivi par Emlinde à 115 000 points. Et Sophie à 113 000 points. Ikari, 110 000 points. Et Purple Leline qui a donc franchi les 100 000 points aujourd'hui. Avec 100 085 points. T'as oublié de voter, Maya? Ah, ça va, ça me rassure. Je me suis dit, j'espère que je t'ai pas senti obligé d'arrêter de copier, parce que ça fait partie du jeu de copier. Vous pouvez copier si vous voulez, c'est un truc de bâtard, mais vous pouvez. En tout cas, on n'interdit pas ça dans les règles. Et nous jouons sur Rome, à Lyon, mais aussi à Rome, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Ok, le cut. Non, oh putain, plus j'allais mettre la bombe là, comme ça. Ça aurait pu être une dinguerie. Quoi? Je me suis pris mon propre boomerang, mon propre klaxon, ou c'est comment là? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée de proc un klaxon pile au même moment que moi, j'imagine. Trop bizarre. C'est trop, frère. Alors comment j'ai dodge ça? What? Ah, faut aller où? Bon, je pouvais pas beaucoup plus remonter. Bravo les gens qui avaient prono 3. Excuse-moi, mais je pense vraiment pas que Jean-Luc Mélenchon ait fait un meeting à Rome, mais bon, ouais, mais ça, ouais. Félicitations les gens qui avaient tenté le prono 3. Bravo. Oh non, c'est trop désastreux, je connais pas les maps du DLC. Alors franchement, Owen, je pense que de toutes les maps du DLC, les 48 maps du DLC, je pense que celle qu'on vient de faire, c'est la plus dure. Quand tu l'as jamais faite, parce que je trouve que c'est celle où c'est les directions et tout sont le moins claires, en vrai. Bravo, Crésus.
Ah oui, c'est vrai, Nascal qui vise les 100 000 points tout pile. Et ce sera... Les MK tours, on voit rien. Non, mais il y en a qui sont quand même plus intuitifs que celles qu'on vient de faire, Owen. Elles sont éclatées au sol. Oh là là, le ban qui va partir direct. Oh, le ban qui va partir direct. La plupart des maps villes sont incroyables, en vrai. Je suis désolé, mais... Il y a quand même énormément de bangers dans les maps villes. Madrid est un banger. Sydney est un banger. Singapour, un énorme banger. Bangkok est pas mal. Vancouver est pas mal. Athènes est un banger. Pour moi, les deux maps les plus catastrophiques des villes, c'est Paris et New York. Ça n'existe pas ce qu'il a fait là. C'est quoi la strat? Pas une somme énorme, mais ce n'est pas rien non plus. Merci à l'Alpo pour les 100 bits, merci beaucoup, merci infiniment. Ah, j'aurais pu prendre la doublette si j'avais su. Après c'est le tour 2, c'est pas grave. Ça aurait pu être grave au tour 3. J'hésite à garder un champlard, mais non, vas-y, je le tente. Mais c'est dangereux de pas avoir de champi à cet endroit-là. Enfin, de pas avoir d'objet de manière générale. Aïe, aïe, aïe. Bah là, c'est très dangereux, par exemple, vous voyez. Oh, merde! Il va me matraquer de boulasse, lui. Merde. C'est un peu fouillis, hein, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vais pas pouvoir faire des dingues, là. 10e ? 9e ? 9e. Bravo les gens qui avaient prono 9, s'il y en a. Il y a des gens qui ont tenté la 9e place ? Oui ! Oui ! Oh là là, Emelindé. Emelindé qui a joué le tout pour le tout. Et qui remonte directement à la 2e place. Emelindé qui coupe le couple en deux. La bonne question, c'est comment cela ne va-t-il pas finir? Merci Audimac pour le 7e mois des oubis, merci infiniment, merci beaucoup pour ton soutien. Ok, non, désolé, mais à partir du moment où tu dois mettre des grosses flèches rouges qui clignotent, c'est juste du mauvais design IMO. Non mais, attends, non mais... C'est, en fait, c'est parce que les flèches rouges, elles sont là parce qu'en fait, ça change de trajectoire, ça change de chemin à chaque tour. Là, par exemple, on a des flèches rouges devant nous parce qu'au tour d'après, on va aller tout droit. Donc ils sont bien obligés de mettre des flèches rouges. Mais l'idée, c'est de traverser un peu toute la ville. Le concept des maps villes, c'est un peu genre, ben, c'est des circuits tracés sur des maps plus larges où il y a un peu toutes les directions. Ouais, le klaxon il est pour ma gueule, non? Ok, j'ai peut-être pris un peu de distance. Genre, cette map-là, elle est pas bien, genre. En vrai, cette map-là, le tour 1 est vraiment trop bien. Tour 2 et 3, un peu rompiche, je trouve. Mais ce tour-là, il est vraiment incroyable. Ils ont tout misé sur le tour 1 sur cette map, c'est un peu dommage. J'aurais eu le temps. Ah, trop loin. Ah, je sais pas du tout si ça vaut le coup. Ah, le cut est quand même vénère, mais... Non, je vais pas le prendre, en vrai. Il est trop dangereux, je pense.
Ouais, je vais avoir une caisse, puis je vais me faire baiser. Non, même pas. Oh, il m'a raté. J'ai été tellement mauvais qu'il m'a raté, c'est terrible. Moi, je pense que la banane est free, mais elle est un peu dangereuse. Ah, dommage. Genre, non mais ça va, ça va la connaître. Non, c'est de la triche. Je fais deux bacs spam, aucun effet. C'est trop grave. Strat VS, enfin. Comment ça? Bravo les gens qui avaient prono, hein. Oh, c'est Prado qui passe en tête. Et Dib en troisième position, félicitations. Ah ah ouais, trop banger la map, j'ai rien compris. Non, c'est trop grave, c'est trop grave. C'était tout droit sur la map. Est-ce que le total des points des différents pronos est toujours le même ou bien il peut varier? Il peut varier. Je parle sous le contrôle de Drawrunner, mais je pense qu'il fut une époque où le total donnait toujours... Non, peut-être même pas en fait. Non, peut-être pas. Je sais plus comment... Je sais pas. Mais non, là, je crois que ça peut complètement varier. Oh, on sait plus où on en est. Hein. L'algorithme, il est tellement... Tellement développé que même nous, on sait plus. Il m'est arrivé le pire truc possible, je pense. C'est chiant à remonter cette map, hein. Non, je tellement pas l'objet que j'ai là. Oh, j'ai encore raté l'objet. Non mais vas-y, chef! Ça fait deux fois que je me prends un objet à l'entrée du canon. C'est pas abusé un peu en vrai? Je m'en bats les couilles de ces objets en vrai. Oh vas-y, j'ai fait un énorme détour pour choper un champix. Sérieux. Non, 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 non. OMG, on est passé. Un peu loin. Un peu loin et un peu dangereux du coup. Il va backspam ça rouge. Non. Ouais, pas ouf l'objet. J'aurais pu mieux jouer et faire top 1 potentiellement. Au top 2 j'aurais pu en tout cas. Le champi je l'ai très mal utilisé en vrai.
Le timing, pas du tout bon. Le dernier champi, j'aurais pu faire deuxième. En vrai, si j'avais utilisé au bon moment. J'étais un peu en panique. C'était tendu. T'as réussi à joindre Topic Games, parfait. Parfait, parfait. Et on va jouer. J'aime bien le fait que Owen déteste les maps villes et qu'on fait bien toutes les maps villes. Là, c'est un régal. Et nous allons jouer à Sydney désormais. Pa 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 la pa 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 la pa. Merde. Dangereux ce que j'ai fait, mais ça a touché quelqu'un, c'est bien. Ouais, un peu court ça pour un seul champi, hein. Chef. C'est l'avoir. FF. Il reste qu'une seule ligne d'objets. Non, peut-être deux. Je sais plus. Ça va être compliqué de remonter quoi que ce soit, on risque plus de redescendre là quand même. Et la banane ici a disparu. Ouais, faut tenter ça comme ça. Puis là, faut tenter ça. Hein. Ah! Bon. Impossible de faire mieux. Bravo les gens qui avaient pris nos 5. 249 points, félicitations, Rafou. Zayena, Luigi Simpson, Pistache, Henri, bravo. Topi Games, c'est pas toi qui est nul, c'est le lobby qui est pas jouable. Ok, Owen, si tu veux pas une map ville, si tu veux une map bien claire, bien banger, vote Riverside Park. Riverside Park. Je crois que c'est la première coupe en bas. Je sais plus laquelle c'est de coupe. Je vais essayer de faire un peu de lobbying pour avoir Riverside Park là. Non, pas Park Baby. Je sais pas où c'est. Genre à l'endroit où tu dois choisir les coupes, tu continues à aller vers le haut même si t'as l'impression que tu peux plus aller vers le haut.
Et après, il y a les coupes argentées. Et je crois que dans les coupes argentées, c'est dans la première ou la deuxième. Je dirais, de façon, au tour d'après, je dirais. Ce sera Montagne Choco. Bah, pas assez simple aussi, en vrai. Il n'y a pas des grosses flèches rouges. Malveillance. Ah, dommage. Dommage, le front run était pas mal, mais... J'aurais pas pu faire grand chose contre 3 bleus. J'aurais pas pu faire grand chose contre 3 bleus, en vrai, je vais pas mentir. Ah, les 3 bleus, là. Désolé Sam. Enfin, je pourrais rien faire contre Romain a priori malheureusement. Il est chaud à avoir ce double objet. Hein. Ouais, si j'avais eu le double là j'aurais peut-être pu en vrai. Il va peut-être backspam un truc, il va falloir que je fasse attention. Ok, mais j'ai pas jump. Et ça m'a coûté une place peut-être de ne pas jump à la fin. Bravo les gens qui avaient prono 3. Oh, les 3 bleus là. Ok, Lutanic qui repasse en tête. Luigi's Mansion prend la deuxième place et Prado redescend à la dernière marche du podium. Ok, c'est dans la coupe fruit. La coupe fruit. Regardez là. Vous voyez, là c'est les maps normales. Là vous montez, vous êtes dans la coupe fruit. Vous appuyez là. Hop là. Map banger très compréhensible avec une musique de fou. Allez, c'est parti. J'ai le jeu en anglais, c'est pas le même nom, je hurle de rire. C'est complètement le même nom, c'est juste que Park est écrit avec un K à la fin au lieu d'un C. C'est Riverside Park aussi en anglais, je suis quasi sûr. Peut-être il y a juste un K au lieu du C, non? Allez, map de fou là. Je trouve vraiment cette map elle est exceptionnelle. Regardez avec les petites plantes piranha qui marchent. C'est trop mignon, vous pouvez rien dire. Bon là je me la suis pris en pleine gueule mais...
Les petites plantes piranha qui marchent, c'est incroyable. La musique est banger. La map est belle. On peut pas faire grand chose contre cette map. En vrai, je suis désolé, mais c'est factuel. Les petits ruisseaux, là, les petits plans d'eau, les petites cascades, il y a tout, le coucher de soleil, il y a absolument tout ce qu'il faut dans cette map. La musique est ouf. Oh, je suis désolé, moi je fonce sur cette map, vraiment. Vas-y, je tente pas. Ah, par contre, j'ai proc 2 champis sans le vouloir. Ok. L'outre qui n'a pas snipe derrière à un seul instant, ce qui m'a permis de la doubler, tout simplement. Et bravo les gens qui avaient prono 7, ça va quand même faire des points ça. Hein. Tout à fait, Prado qui reprend la tête. Et Ricky qui monte à la 4ème place. Oh, Prado qui a installé un petit peu, hein, une place un peu confortable quand même à ce stade de la compétition. Allez, route arc-en-ciel de oui pour moi. Ouais, pays crépuscule aussi, pays crépuscule, j'aime bien. Mais Riverside Park quand même au-dessus pour moi. Ah et ok, j'ai pris le mauvais fruit, c'est pour ça que j'avais pas le même nom. C'est quoi le fruit que t'as pris? C'est le gland? Y a pas de coupe pêche dans le jeu. Ah si! Ah oui, non, c'est... Oui, le fruit, là, je pense que c'est une pomme. Mais oui, il y a la coupe double cerise aussi, effectivement. Il y a aussi la coupe double cerise, c'est vrai. C'est quoi le fruit, à votre avis, de la coupe fruit? Parce qu'en fait, c'est le fruit que mange Yoshi, théoriquement. Et c'est quoi le fruit que Yoshi y mange? On a des infos là-dessus ou pas? Est-ce que Fabrice Arfi, il est allé sur ce terrain-là? Je pense pas, hein. Moi, je dis c'est pas une pêche, en vrai. Bonne soirée, Mega Super Kuja. Merci beaucoup d'être venu, c'est très gentil. Il y avait une bombe ici, ouais. Je voyais un truc clignoter, je comprenais pas ce que c'était. J'aurais dû me méfier, hein, quand même. Y a pas beaucoup d'objets qui clignotent dans ce jeu, à part la bombe. Notamment aucun. C'est vraiment pas opti de passer par là, c'est très con. Mais le cut, il passe sans champi, là? Non, il passe pas, hein. Ça passe, là, sans champi, le cut? En vrai, peut-être que si, hein. J'ai pas envie de me rematérialiser à côté de ce gars qui a 3 vertes. Oh non. Oh, l'étoile qui me met tellement mal. Oh non. Aïe aïe aïe, une fin catastrophique pour moi. 470 points pour les gens qui avaient tenté le 8. Le classement n'a pas trop bougé.
Allez, la Rainbow Road pour la dernière. En japonais, ça s'appelle juste le fruit Yoshi. Ok, ouais. Ouais, ils ont pas voulu définir ce que c'était. C'est la dernière, là, je crois. Hein. Je crois que c'est la dernière. On n'a pas fait de route arc-en-ciel ce soir. Ouais, ça sera pas chez moi. Oh, merde! Alors, on aura fait une route arc-en-ciel, mais la pire de l'histoire de Mario Kart. C'est parti. Ok, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, en vrai. Je m'amuse déjà de fou en vrai sur cette map. Ah, c'est bon, à un moment faut se prendre mes objets aussi, Sam, hein. C'est bon. Viens Jean Splatoon. Attends, j'ai pas eu Jean Splatoon. Oh, vas-y, je vole une pièce. Fais chier. Oh, la double bleue devant là. Oh, la malveillance de la personne devant, c'est qui? Baku. Baku qui a balancé toutes les bananes là. Chef. Pourquoi les gens ils ont des billes? Moi j'ai des carapaces vertes toutes nulles. Oh, j'ai même pas de bille. Il va y avoir une foudre. Il va y avoir une foudre et moi j'ai pas de bille, moi. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu, les amis. Hein. Bravo les gens qui avaient prono 5. Ce qui nous donne le classement final. Prado, première position pour ce tournoi. Aujourd'hui, c'est Prado qui l'emporte, suivi par Lutanic, suivi par Luigi Simpson, suivi par Ricky, Dibemlinde, Dragon Maya, Sophie Purple, Lolim Petite Loutre et Powell. Félicitations, si jamais vous n'êtes pas dans ce top 12, vous pouvez quand même voir à quelle place vous étiez en allant sur pronocart.com. Bien sûr. Que le mec qui a fait marche arrière pour choper le double item se dénonce. Ah, j'avoue, c'est terrible de faire ça. Ok les amis, comme prévu je vais m'arrêter là, je sais c'est des lives plutôt courts ces temps-ci, mais vraiment je préfère faire des petits lives courts pour pas trop m'épuiser. J'aurai néanmoins le plaisir de vous retrouver dès mardi pour un live Among Us, peut-être il y aura autre chose avant, peut-être il y aura autre chose après, je ne sais pas, mais en tout cas il y aura du Among Us mardi. Je serai, quoi qu'il arrive, en stream à 20h10. Et puis voilà.
Là, je voulais vous envoyer chez Coury, mais il y a un monde où il a terminé. Il a peut-être finito Coury. Sinon, peut-être vous envoyer chez Kyria en vrai. Je vais regarder si Coury il a fini ou pas. Mais ouais, les amis, mardi. Et puis, si j'ai le temps de terminer aussi, ce qui est pas dit. Mais si j'ai le temps de terminer ma nouvelle vague et ma dernière vague probablement de Map Fall Guys aussi. Voilà. J'aimerais bien faire ma dernière vague de Map Fall Guys la semaine pro, si j'y arrive, enfin la semaine qui arrive quoi. Voilà, je vous envoie donc chez Kyria. Kyria TV. Hop. De gros bisous, merci de m'avoir suivi, bonne semaine, ciao !